Yo à tout le monde, c'est Mavzoil, j'espère que tu vas bien, bienvenue pour la vidéo du jour, tu le sais, une vidéo par jour à 18h, heure de France, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais aujourd'hui spécial, deux vidéos aujourd'hui, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que la vidéo d'hier, vous l'avez bien kiffé. Donc je vous en fais deux pour rattraper, MDR. Avant de commencer cette vidéo, si tu es hype par l'arrivée des machines à vendre des armes, laisse un pouce bleu. L'objectif de cette vidéo, c'est 579 pouces bleus. My God, on peut le faire. C'est parti, vidéo maintenant. Aujourd'hui, nouveau message sur Fortnite Battle Royale, comme quoi les distributeurs d'armes vont arriver sur Fortnite Battle Royale. Vous le savez, les jours de mise à jour, les jours d'update sur Fortnite, c'est le jeudi. Donc on imagine, on peut croire que ces distributeurs d'armes vont arriver sur Fortnite Battle Royale ce jeudi, le jeudi 5 avril. Alors tout a commencé la semaine dernière avec un mec qui a publié une vidéo comme quoi il était rentré dans un bug à l'intérieur d'une montagne, il l'avait croisé tout simplement. Un distributeur d'armes, c'était la première fois qu'on pouvait voir ça sur Fortnite Battle Royale. La majorité des gens pensaient soit un bug, soit que ça venait directement du mode sauver le monde de Fortnite, ou alors que c'était un poisson d'avril de la part des développeurs. Mais il faut savoir que quelques jours plus tard, dans les fichiers du jeu, certains utilisateurs de Reddit ont trouvé la machine à l'intérieur du jeu. Regardez comment cette image se compose. C'est la machine, le design, le modeling de la machine à vendre des armes qui était directement dans les fichiers du jeu. Et maintenant qu'on a le nouveau message de Fortnite Battle Royale, on peut être sûr que les distributeurs d'armes vont arriver sur Fortnite Battle Royale. Et là, vous me demandez, mais Maps, comment est-ce que ça va fonctionner? Alors, comment l'utiliser? C'est simple. Vous allez pouvoir échanger les matériaux que vous avez, c'est-à-dire le bois, la pierre et le métal, contre des armes, contre des accessoires. Pour l'instant, on n'a vu que des machines à vendre avec des armes, mais j'imagine qu'on pourra aussi échanger contre des munitions, contre du C4, enfin contre une bougie, contre des impulsives. J'imagine qu'il y aura toutes sortes d'échanges et qu'à chaque fois que vous allez lancer une partie, les échanges vont être différents. Mais pour l'instant, on n'a vu que des armes, c'est-à-dire on a vu un minigun et un shotgun. Alors ces derniers jours, certaines personnes ont eu la chance de tomber sur ces machines. Elles étaient tout simplement là comme un bug. Mais c'était quasi officiel qu'il nous disait que les machines allaient arriver. Donc grosse dédicace à Brassoulet, youtubeur français qui lui a publié ses vidéos de bugs où on pouvait voir les distributeurs d'armes en avance. Donc sur les vidéos que j'ai vues et les images que j'ai pu voir, on voit certainement le minigun qui coûte 250 de bois. Donc comment ça va fonctionner? Si vous avez 250 de bois dans votre inventaire, vous allez pouvoir tout simplement aller à côté de la machine et réclamer votre butin, c'est-à-dire un minigun. Après, combien est-ce que va coûter le shotgun? Pour l'image officielle que Fortnite nous a publiée aujourd'hui, on peut voir que c'est un shotgun. Donc le shotgun, combien va-t-il coûter? L'image est un petit peu floue pour voir combien est-ce qu'il coûte. Mais on imagine aussi qu'on pourra avoir des SCAR, des snipers, mais toutes sortes d'armes. Après, combien de ressources vont-elles coûter? J'imagine que la SCAR va nous coûter une bonne partie de notre acier, de notre métal. Mais bon, à nous de voir d'ici jeudi. De toute façon, on sera en stream pour les tester. Donc soyez là, n'oubliez pas, une vidéo par jour à 18h, heure de France. Aujourd'hui spécial, deuxième vidéo. Je peux vous dire que la deuxième vidéo concerne la météorite. My God, insane. Soyez là, 18h, heure de France. N'oublie pas de laisser un pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner, c'est pas déjà fait. Je te fais des gros bisous, c'était Mavzoil. Ciao, bye bye. Quoi? Mais quoi?